Et salut à tous les amis, allez on se retrouve sur Farming, donc je suis là pour acheter des vaches. Allez on va acheter des vaches, on va acheter un camion entier je pense. Je sais pas comment ça y rentre. Ok. Donc on a 14 vaches je crois que c'est. Je me rappelle plus de la bétaillère. Et tac-tac-tac, 14 vaches. Donc je vais amener ça 2 ou 3 fois à la ferme. Et puis voilà. Mais là je pense que je vais faire un petit accéléré tranquille. Donc allez. On se retrouve quand ça sera fini. Donc ouais. Allez, à de suite. Hop là, bon, on est arrivé. Donc on va tout décharger. Voilà. Donc ouais, c'était un peu rapide. Bon, le chemin n'était pas très très long. Bon, je me suis pris des arbres, je me suis trompé de route, mais à part ça, ouais, c'était pas très longue la route. Donc c'est vraiment un petit accéléré. Ça, on va poser ça là tranquillement pour l'instant. Ouais, juste la salée, voilà. Donc maintenant on va s'occuper. Donc j'ai amené des ballots d'ensilage. Je me suis ramené aussi de du foin, de la paille. Bon, ça c'est un peu mélangé. Ça s'est mélangé. C'est pas très grave. Donc niveau vache, j'en ai 28. J'en ai 28. Donc la machine elle est là, enfin la mélangeuse elle est là. Alors on va déjà donner de la paille, je pense. Ça sera plus pratique de la paille en premier. Tac, à gauche, non, à droite, c'est mieux. Ensuite il me faut mon petit. Donc je me suis acheté la pelle. Hein. La petite pelle. Voilà. Avec la porte qui se ferme. Autant mieux je la changerai, je prendrai celle des chenilles. Allez. Donc allez, on va donner à manger.
Oh vache. J'arrive à récupérer ça là. Putain, si je peux récupérer, ça sera cool. Est-ce que je l'ai mis n'importe comment? Enfin. Au départ, elle était bien galère, j'ai tapé dedans. Donc, en espérant qu'il y aura assez de flotte. Parce que là, j'ai pas trouvé de fontaine. J'ai rien trouvé en fait. Alors. L'eau, je crois qu'elle est. Elle est dehors, non? Elle doit être où la flotte aussi? Bonne question. Ouais, bonne question, je sais pas où il est faute. Oh là, il y a un arbre devant moi. Couillon. Donc la faute, je sais pas où il est. Alors que je regarde ça vite fait. Ça, c'est la pompe à gasoil. Je crois. Bref, on va voir ça après. Alors, on va donner. La paille en premier. Alors ça fait 8, on va mettre une de plus. Ça fait 12. Ça va suffire. Oh la paille, je sais pas où c'est encore, c'est pareil. Ici. Ok, donc là c'est la bouffe. L'eau, ok, elle se met là. Alors est-ce qu'on pourra trier? Je sais pas. Ok. C'est vide. On va remettre 12. Ça y rentre. Ça y rentre. On va se prendre sur le côté. Si je peux avoir les deux, on fait les quatre. Hop, on va reculer ça.
Après, on mettra de la paille. On mettra deux bottes de paille, enfin une botte de paille. Et deux bottes d'ensilage de foin. Et l'eau, je sais pas où on met l'eau. L'eau, j'en ai aucune idée, on la fout. Donc ça va être pas mal. Hop. Ça va même être très bien. Voilà. Bon, il me reste un petit peu. On va quand même foutre une botte d'œuf. On va foutre cette pile là. Celle-là est parfaite. Il y a deux foin et une de paille. On vient de tomber. Deux qui sont tombés. On n'arrivera pas à la récupérer là. Ah là là, la physique. La physique. Deux qui tombent. Ah là, il n'y en a qu'une qui est tombée. Ok, j'ai fait une bêtise. Et je mettrai deux d'ensilage. Donc c'est une boîte de paille. Plus un truc physique là. Plus un de paille, deux de foin et deux d'ensilage. Pour avoir un mélange parfait. Ouais, vu que. Ouais, vu qu'il y avait plus de. Il y avait un peu plus de paille, donc. Là, ça va me faire un petit fourrage. C'est pas grave non plus, hein. Petit fourrage, c'est pas grave. Après, ça va changer. Pas très grave. On va recommencer, je pense. Voilà. Donc là, il nous reste de la paille. Ah mince, on va juste la vidéo. On va vider la paille. Dès que là, il nous reste de la papaye. On va faire un mélange parfait parce que là. J'ai un peu loupé mon mélange, ça me fait un peu chier. Et puis je loupe pas celui-là. Et là il y a un truc qui me bloque, je sais pas que ce que c'est. Ah c'est le rétroviseur, d'accord. Les rétroviseurs sont costauds, hein. Mon dieu, mais ça braque rien ça. Ça marque pas grand chose, ça, cette merde. Allez. On va vider ça. Donc là, j'aurai un peu de paille, c'est pas mal. Il fait combien en fait celui-là?
Mélangeuse, et où? Le feu 17. 4, 8, 8, 8, 16. Non, c'est bon, normalement. Normalement, c'est bon. Mais... Donc, c'est 1, 2 et 2. Donc, on recommence. Donc là, j'en ai ça. Donc là, il y a un de paille plus un de foin. Voilà. Là, je mets celui-là aussi. Ça fera deux de foin. Et on va mettre 200 dans le silage, normalement le bon. Normalement on est bon après. Ça, je vais louper à rentrer dedans, mais... Voilà. Ça sert encore rien, là, ça. Ça aura que dalle. Hop, voilà, mélange. Donc ça a monté, il manque encore de l'herbe, mais j'ai pas encore coupé de l'herbe, donc c'est normal. Il faut vraiment que je trouve pour le pour l'eau. Faut que je trouve pour l'eau. Ah, ça c'est quoi? C'est un truc à lisier ou... On va mettre la tonne dessus, on verra bien. Qui ne tente rien à rien, non, c'est vraiment pour les yeux. Ouais. C'est vraiment pour le lisier. Ouais, ça me marque pas en plus. Donc, alors c'est pour le lisier. Ok, take. Il est où? Moi, l'eau, je n'ai aucune idée. Le seul triarque, celui-là, c'est pour le... Non, on passe dessus, ça sonne pas. Enfin, ça n'affiche pas. Il a peut-être oublié. Hein. Il a peut-être oublié. Là c'est pour le lait. Voilà. Faudra que je regarde sur internet où est l'eau. Allez, pas le trieur. Tac tac tac. Peut-être, mais pas de trieur non plus donc. On va reculer. Il n'y a pas de trieur donc ça me fatigue un peu. C'est con quand même pas avoir de trieur pour l'eau.
Non. Pourquoi ça marque nouveau herbe? C'est un silo là aussi? Bref, je trouve pas la flotte les gars. Je ne trouve pas l'eau. On va passer dans un clé véhicule à l'intérieur. On va tomber la fourche à place. Enfin, elle veut même pas rentrer. Alors... Non, là, il n'y a rien qui s'allume. Il n'y a rien qui s'allume. Après, ça lâche une fatigue, un peu physique, non? Ok. C'est une petite porte. Non, il n'y avait pas de trésor. Il n'y avait pas de trésor. Non plus. Voilà bah les amis, je ne sais pas. Bref, on va passer à autre chose. Ça je laisse, ça je laisse. On va peut-être acheter un terrain. Parce que là j'ai quoi comme terrain? J'en ai un normalement ici. J'ai le du blé là au niveau 45. Tac, du blé. Est-ce qu'il y a un truc pré-récolté? Il y a rien à pré-récolter. Non. Il y a rien du tout à pré-récolter. Bref, on va préparer un. Par un semoir, hein. Là j'ai du blé, non, orge, avoine, colza, soja, radis, herbe, ça c'est je sais pas c'est quoi, ça c'est du triticale. Alors ça c'est quoi? C'est du riz non? R-I-R-Y-E. Bon ça, je pense que c'est du riz. Et ça c'est du triticale. De toute façon ça va à la benne. Celui-là là, il est à la benne. Donc c'est le plus gros. Sans niveau tracteur, je pense en acheter un autre aussi parce que j'en ai que deux. Alors est-ce que c'est pour les vaches celui-là? Alors si je mets de l'eau là, est-ce que ça fait pour les deux? Là, il faut essayer. Il faut essayer. Parce que là, il n'y a pas de. D'accord. Là, il n'y a pas de. Putain, ça braque pas ça. C'est vraiment petit ou ça braque pas. Il y a un poteau. J'arriverai, j'arriverai.
Là, il y a un... Ça, on va aller voir là-dessus aussi. Mais ça fait loin, hein, de la ferme. Donc ça se pourrait l'usir. Plus de place pour l'eau. Tu fiches ma gueule ou quoi? Ben alors là, les amis, je sais pas où on met l'eau. Faudra que je regarde hors caméra. Ça, c'est pour le lait. Ça, je pense que c'est pour l'acheter. Bon, moi. Bon. Je trouve pas, hein. Allez, hop. Alors, on va acheter un nouveau tracteur, je pense. Qu'est-ce que j'aurais plus besoin? Parce que là, j'ai un tracteur comme ça. Là, j'ai un gros. Enfin, un gros. Donc, alors. J'ai celui-là, j'ai celui-là. T7 TTV. Ça fait 200 bourrins. Un T6. Je suis pas très fan des couleurs en fait. Tac, là j'ai un 6R. C'était un moment que... Un challenger, non. Un fin de bloc-addiction. Un challenger. Pas après les roues, pas ça. Non. Un 900 peut-être. Là j'ai encore un 1000. Ça c'est quoi? Je connaissais pas trop cette marque. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas du tout. Sinon, le mieux, c'est acheter un terrain d'abord et puis ça grandira après. Il était déjà à côté. Du sol. Pourquoi il met mieux que les fans les en bleu foncé là. Une croissance, il n'y a pas de croissance. Hop, là il y a une croissance. Faut qu'on ne voit rien quoi. Il est vraiment un peu tout trop décalé. Je
57, c'est quoi les 57? 57, c'est du maïs. Et ça, c'est quoi? C'est du soja. Il est en cours de croissance. Il n'y a pas un champ qu'on peut travailler. Il y a celui-là. Hop. Celui-là, il est vraiment pas, son, pas cher, le champ, quand même. Ils sont vraiment pas cher, le champ. Celui-là, il serait top. Bref, moi, les amis, je vais vous laisser là. Je vais chercher où on peut mettre de l'eau. On peut mettre de l'eau, je vais tout voir un peu les machines que je vais acheter. Ça, on va l'éteindre. Sans non, avant d'acheter de la machine, il faut acheter une tonne à fumier. Enfin, j'achète une tonne à lisier. Parce qu'on peut pas le vendre, le lisier. Hein. Je me rappelle plus, mais. Non, le lisier et le fumier, on le vend pas. Ouais, t'as les œufs, ça rapporte 4000 les œufs. Ouais. Donc il faudrait une tonne d'épandeur à fumier. Épandeur à fumier. Peut-être toi. Il fait 32. Il est pas très gros, c'est un double essieu. Ça c'est trop gros. Ça fait 60. Non, 60, ouais, 60. 60 tonnes. Mais c'est vraiment trop gros. Celui-là il fait 15. Peu petit quand même. Petit. 17. 32. Mais ouais, il y a 3 essieux celui-là. Et puis chiant. Je pense que je vais partir sur ça. Sur celui-là là, il fait. On peut se mettre un crochet à l'arrière. Ouais, 32, c'est pas mal, je trouve. Bref. Allez, les amis, moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut.